Salut les cafardinos. Là c'est dimanche matin. Tout le monde se passe à la cool. On va aller jouer la finale. Donc voilà, on a fait un bon tournoi. On va jouer un gros morceau en finale. Je pense pas. Je pense que ça va être très dur. Je pense que ça va être très dur. On est vraiment pas favori. Bonne équipe qu'on va jouer avec du jeu en place. Tout le monde est en mix. Donc voilà, tranquille, on va aller réveiller un peu tout le monde là. Vous inquiétez pas, vous aurez les games avec le son et tout, avec ma voix. J'ai pas oublié de l'enregistrer. Donc gros big up à vous tous là. Merci beaucoup, lâchez des pouces bleus. Salut tout le monde. Alors on est en game show, on va faire un petit tour. Je vais vous montrer un petit peu le salon. Donc là il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a la scène, il y a un match en cours, c'est sur Hearthstone. On rentre les dégâts, on fait descendre complètement l'armure. Et on passe. Voilà, tu vois, c'est un peu cool. Normalement on va jouer la finale après nous, c'est à 15h30. D'accord, voilà, donc on présente le salon. Donc le stadium un peu. Bon là c'est vide parce que c'est le matin. Voilà, la scène elle est derrière tout ce gros truc noir. Mais cet après-midi ça va être plein et tout. Donc notre finale est programmée à 15h30 sur scène et tout, ça va être cool. Voilà, finale, tout ça. La partie salon. Voilà, avec les chaises, tout ça là-bas. Là c'est l'espace joueur. Donc là voilà, c'est encore. C'est dimanche matin là, j'aurais dû le faire hier. C'était bien plein et tout, il y avait beaucoup plus de monde. Là il y a beaucoup d'équipes qui ont été éliminées et tout ça. Mais hier j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Donc voilà, c'est cool. On passe des bons moments. Voilà, un bel espace là comme vous pouvez voir, vraiment c'est très grand. C'est assez confortable, les tables sont bonnes, les chaises aussi. C'est assez rare. Voilà, il y a la fibre optique et tout, donc vraiment des bonnes conditions. Donc je vous souhaite à tous, si vous kiffez le jeu et tout, de faire une petite LAN comme ça là, avec les copains, vous allez bien vous amuser. Allez, see you. Salut les cafardinos. Donc voilà, là, on a fini au minimum deuxième. On va aller jouer la grande finale sur la scène et tout, streamer sur ESL. Donc voilà, on est là avec toute l'équipe et tout. Gros big up. On espère que vous avez kiffé ce petit vlog, la LAN, tout ça. Ça vous fait kiffer. Et maintenant, un petit cadeau pour tout le monde. 1, 2, 3. Et Turquie, mon pote. Bonjour messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette finale? Toujours prêt, toujours prêt. Globalement, ce week-end, t'es arrivé là facilement avec ton équipe en finale, des difficultés? Pas vraiment, non. Donc, Monteur! T'es serein? Tu es serein? Ouais, c'est tout, se passe bien, ouais, c'est vrai, c'est positif. D'accord, et je crois que le ton est donné. Est-ce que tu as à répondre à ça? Non, ils ont raison, ils sont largement favoris. D'accord, donc vous êtes les challengers et vous venez pour changer la donne? Ouais, nous on a gagné déjà, là il y a le public, on kiffe,
kiffe, on kiffe. Les trois, l'histoire. Ouais. Il y a le public, vous êtes sûr qu'il y a du public? Allez, on va démarrer. On va tout de suite vous laisser regarder vos places. On va donner le lien à nos deux casteurs. Que nos deux casteurs prennent l'antenne. On veut voir les claques-claques. On veut voir du bruit. Les épées en l'air. On fait du bruit. Allez, public, on encourage pour cette finale. Simplement, on fait tomber un joueur échangeable pour un. Pour l'instant, on va faire tomber Bawal, le bébé qui est en possession des 10 zones. Il reste encore Brahms tout seul en 1v3. Il peut tenter ce round, hein. Il reste cette dernière round de side. Il peut se faire plaisir là sur cette tentative d'un v3. Il a un peu de stuff, il a un kit. Toutes ses chances là. Il a pas. Oh là là, c'est quoi ce kill? C'est double kill impressionnant. Le one tap et le réflexe sur le deuxième joueur. On se retrouve en 1v1 contre Créa. Il va le faire tomber, il va le réussir ce 1v3. Impressionnant ce clutch. Il va checker tous les recoins pour essayer de s'assurer que le bébé est clean. Et là, idéalement, si on avance en saut, il pourrait potentiellement surprendre Lucky et faire un kill. Réflexe là, qui n'est pas passé loin. On a repéré un joueur, mais on se trouve pas où est le deuxième. C'est compliqué là pour Chaos. Il choisit d'aller challenger. On va fake un peu le fait qu'on aille sur le BPB. On a été repéré malheureusement sur ce coup d'épaule. Et Dizon qui essaie de gagner beaucoup de temps. Oh, et le clutch remporté par monstrueux. Il a même pas eu besoin de pantalon. Il est allé chercher directement les deux joueurs. Et quel clutch! Quel clutch de sa part! Quel clutch impressionnant! Alors, finalement, challenger sur cet événement. Il y a besoin encore de travail. Mais il y a quand même un petit jeune chez toi qui envoie du lourd, ça promet. Il y a du talent qui progresse. Déjà, je tiens à préciser qu'on n'est pas une équipe, on joue vraiment en freestyle, etc. Je suis là pour juger vraiment le potentiel des joueurs et tout. On n'était pas favoris, mais voilà, Overpass, c'est une map où je suis plutôt confiant dessus. Je pensais vraiment à la gagner, en tout cas, enfin, pour Overpass, en tout cas, rectifier, tu vois, les erreurs du premier E3. On arrive, on est bon. Sur cash, ils nous ont exterminés, ils ont eu un très très bon set cité. On a la chance de mettre le pistol parce que le pistol c'est quand même 50-50. Je crois que ça doit être le deuxième pistol de toute la LAN qu'on doit mettre. On a perdu tous nos pistoles. Et après, on joue libéré quoi. Les gars, on n'a rien à perdre, le score il est fini. Juste libérez-vous, jouez comme vous pouvez, tu vois. Et ça a un peu payé. Et ils nous ont mis pas mal de gros rounds qui nous ont mal mis économiquement et c'est ce qui leur a permis de gagner. Question classique, cet événement, cet OGS 2018, en un mot. Moi, merci aux organisateurs et tout. Vraiment, c'était cool, les admins et tout, ils sont adaptés. Non, franchement, c'était top. Le cas, tout bien, c'était cool. Vraiment satisfait, on fait un bon résultat, on rencontre des bonnes équipes, on montre des belles choses contre des équipes en place, c'est pas mal. Enfin, c'est même excellent. Parfait. Excellent, le mot excellent. Parfait, merci. Eh bien, on va procéder à la remise des lots. Allez, on les applaudit s'il vous plaît, on passe à la remise des lots. On va commencer évidemment par Epsilon. À la deuxième place de cette finale, Counter-Strike Global Offensive by Aorus de cette OGS 2018. Un chèque de 1800 euros, on les applaudit. Et puis bien sûr, les grands vainqueurs de cette finale de l'Orléans Game Show 2018 de Counter-Strike Global Offensive by Aorus. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Dizon. Vous remportez un chèque de 3000 euros.
est de retour à l'hôtel. On a fini deuxième avec une finale sur scène complètement folle. J'espère que vous êtes fiers de notre résultat. C'était une LAN lourde. De très très belles choses montrées. J'espère que vous avez kiffé le vlog. Lâchez le like.